Qu'est-ce que je vous ai dit? Putain, mais c'est pas possible, je vous ai dit, on se coordonne. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Alors évidemment, personne n'écoute personne dans cette équipe. Hein. Putain, je me fais chier à récupérer vos conneries. Je fais des kilomètres pour sauver la soirée. On rame, on se débat, mais on y arrive. Et vous, mais en une minute, vous avez tout foutu en l'air. Hein. Je vais vous dire, ça fait des mois. Non, ça fait des années que vous me faites chier tout autant que vous êtes. Toi là, avec tes embrouilles à la con, 100 fois je t'ai parlé. 100 fois je t'ai demandé de montrer l'exemple, bordel. Et tu oses venir me parler de respect et d'honneur? Mais il est où ton respect pour moi, Adèle? Il est où votre respect à tous? Ah ça, pour venir me demander un congé, du pognon, un camion, un cousin embauché. Ah, il est gentil, Max, hein? Ah oui, Max, il est utile, Max, hein? Mais vous faites quoi pour moi? Hein? Quel honneur, je suis censée me faire chier, moi, avec vous, toute la vie! Ah non, mais vous, vous êtes dans un camp de vacances. Toi, là, à bouffer comme un gros porc au buffet, insulter les clients. C'est comme ça que tu me témoignes ta reconnaissance, hein? Je vais te dire la vérité, Guy. Il n'y a plus un gars en France qui veut bosser avec un salé comme toi. Et l'autre imbécile, là, qui drague la mariée. Mais ça va pas, la tête. Vous êtes tous une bande de bras cassés, de losers. Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, là. Que chaque putain de soirée, je joue ma vie. Mais vous en avez rien à foutre. Hein. Personne n'en a rien à foutre, ici, de moi. Ah, les patrons, c'est des cons, hein. Ah, ça. Vous en avez marre de ma gueule? Ah, mais putain, mais je vais vous apprendre une super bonne nouvelle. C'est fini. Vous la verrez plus, ma gueule. C'est terminé.